Oh, ça c'est bien ça. Monte. Non. Il arrache quitte. Je suis trop fort les gars, il arrache quitte. Yes. Ça là? Ça là! Et en plus, je t'ai pas amélioré, mec! Je voulais vous remercier par rapport à l'épisode 1, les gars, plus de 20 000 vues, alors que c'est la première vidéo de la chaîne. Donc là, les gars, je vais vous présenter ma nouvelle équipe. J'ai une note qui va vous plaire, les gars. Je dépasse les notes des 100, les gars. Mais il y a un truc que j'ai besoin de savoir parce que je comprends pas trop. Bref, je vais vous montrer ça. Je suis désolé, les gars. À la base, j'avais fait un pack icône que j'ai ouvert, j'ai rec. Et je sais pas pourquoi, mon disque dur m'a lâché. Du coup, là, je rec et ça m'envoie direct sur mon bureau. Et du coup, tout ce que j'ai fait là, cet après-midi, bah ça s'est enlevé. Je suis dégoûté, clairement. J'aurais dû peut-être faire le montage cet après-midi. Peut-être j'aurais pas eu ce problème-là. Mais en tout cas, je vais montrer qui j'ai packé. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est après 20h. Donc là, il y a tous les objectifs à faire, tous les défis. Comme ça, vous allez voir ma routine que je fais à partir de 20h. Comment je procède, etc. Et vous allez voir, les gars, mon équipe a totalement changé. Vous allez voir aussi l'icône que j'ai packé. Vous allez voir les modifications par rapport à l'épisode numéro 1. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Et voilà, on va aller faire tout ça ensemble. En tout cas, vous allez voir ma team. Vous allez être contents, les gars, parce que ma team, elle est incroyable. Bien sûr, on a toujours un objectif à avoir Pogba, Dybala, Messi et Kanté. Pourquoi pas ce soir, ça serait beau. Et en tout cas, voilà, les gars, mon équipe. J'ai 100 de général, mais j'ai 101. Ça me dit 100, mais j'ai 101. Et je ne comprends pas pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Regardez, j'enlève Mbappé. 94 de notes. Détail, 99 de général. 99 de général. Retenez bien. Échangé. Moreno. Donc je l'échange avec Moreno, ce qui va bien. Et là, 101 de général. Il a 88 de notes. Détail, 96. 99, 100, si quelqu'un peut m'expliquer les gars, je serais curieux, bref, je remets notre ami Mbappé, mais je ne comprends pas, mais en tout cas les gars, je l'ai essayé du coup dans le rec que j'avais fait avant, incroyable, d'ailleurs n'hésitez pas à me donner des petites idées, qu'est-ce que vous aimez bien dans ma team, est-ce que vous la trouvez belle, donc je vais vous expliquer chaque joueur, pourquoi ils sont dans mon équipe, et je vais vous dire pourquoi j'ai Skriniar et Salah, parce que vraiment c'est une dinguerie les gars, et vous allez comprendre pourquoi je les ai fait. Alors, Zanetti, 105 de général, un monstre. Il vaut 15 millions. Vous l'avez si vous prenez le pass. Lui, je vais l'augmenter niveau 30. J'ai vu des gens le monter niveau 25. Je ne sais pas si on peut améliorer jusqu'au niveau 30. Juste, les gars, juste, je vais aller voir un truc. Et d'ailleurs, les gars, dinguerie. Regardez, les frérots. Je suis International 1. International 1. Je suis un putain de geek. Je suis amoureux du jeu. Et le face-à-face, les gars, il est incroyable. Clairement, les gars. Regardez en plus ma petite courbe qui est plutôt sympa. Je suis classé 8000ème. Je joue que contre des bons joueurs. Parce que quand t'es 1 million, à la base j'ai commencé et j'étais 1 million. Mais il faut savoir les gars que au 1 million, tu dis bon, le gameplay pas ouf. Les mecs font des tout droits. Toi tu passes facilement parce qu'ils sont nuls. Arriver à 500, arriver à 200 000, arriver à 100 000. Ça commence de plus en plus à être dur. Arriver à 50 000, c'est plutôt dur. Et là, vraiment, je roule pas sur tout le monde. Mais je fais beaucoup d'égalité. Mais tu vois, sur les derniers matchs, j'ai fait qu'une seule défaite. Je pense que je fais une défaite tous les 10 matchs et deux nuls ou un nul, tu vois. Mais je voulais vous montrer un truc, les gars. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être dans le top 10, les gars, pour avoir cette carte-là. Vraiment, dites-moi si vous aimeriez bien une série, les gars, où j'essaye d'être dans le top, d'être premier mondial. Moi, les gars, c'est mon objectif. D'ailleurs, je vais vous parler d'un truc juste après, de la Ligue, parce que j'ai débloqué la Ligue. Est-ce que vous voulez que je crée un club ou pas? Mais bref, voilà, mon objectif, c'est d'avoir ça, parce que tu as 5 récompenses entre 90 et 93. C'est juste exceptionnel, clairement. Et ce que je voulais voir, c'était ça, justement. C'était les équipes des mecs, parce que... Enfin, je me dis... Quoi? Ah bah du coup, il a mis tous ses persos niveau 30. On peut pas mettre plus, les gars. What? C'est quoi ce bordel? Van der Sar, Ronaldinho. Mais attends, mais il a mis de l'argent, lui, les gars, non? Ou alors, et vu qu'il est top, je sais pas quoi, il a eu... Je sais pas comment il a fait. Socrates, elle est magnifique, la carte. Mais attends, s'il a eu Socrates, c'est qu'il a mis de l'argent. Parce que tu peux pas avoir Socrates sans avoir mis d'argent, les gars. Hein. Clairement. Après, peut-être c'est un YouTuber, le gars. Je sais pas si vous connaissez, les gars, le mec. Mais en tout cas, incroyable, wesh. Magnifique. Champion FIFA, là, et champion FIFA. Donc le mec, en gros, il gagne 10 cartes à 90+. C'est juste exceptionnel. Oh les gars, je suis trop amoureux du jeu, vraiment. C'est un truc de fou. Donc il a une note à 113. Mais attends, lui 115. 115, comment ça? Voir effectif. Quoi?
C'est une dinguerie. Lui, pareil, il a tout mis niveau 30. Oh là là, je veux faire pareil, mon frère. Oh, mais les gars, c'est un truc de fou. D'ailleurs, dites-moi ce que je pourrais faire avec mes perles, là, mes trucs rouges, j'ai oublié le nom. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont mis en niveau quête, les gars? Ils ont mis quoi aujourd'hui? Donc, comme d'hab, jeton Tochi, défenseur, ok. Donc ça, c'est les quêtes à faire hebdomadaires. Avec ça, t'as à droite la progression et en bas la progression. Normalement, j'ai passé les 500 pour ouvrir ce pack-là, donc ça va être cool. Les Tochi, du coup, pourquoi j'ai ça là? Pourquoi j'ai Skriniar? Je vais vous expliquer. D'ailleurs, attends, j'ai 125 sur 50, on va peut-être en ouvrir un. Enfin, on va en ouvrir un. Alors, on commence par les défenseurs. J'ai fait Skriniar tout simplement. Donc moi, j'ai Skriniar 90. Mais celui-là, il me plaît énormément. 89 de vitesse, 101 de défense, 98 de physique. Je me dis, en le mettant à 30, il va être monstrueux, les gars. Ça va être un monstre en défense centrale, vraiment. Du coup, voilà pourquoi j'ai fait Skriniar. Je me dis, et puis il est très fort déjà, le 90. Alors, j'imagine pas le 93 et j'imagine même pas l'amélioration. Parce que déjà, avoir 89 de vitesse, alors, si jamais tu lui mets des trucs, donc voilà. Et j'ai combien de points en défense? En défense, les gars, il me faut 6000 points, j'ai 2000. Est-ce que j'aurai assez avec 4000 points, les gars? Enfin, est-ce que 4000 points, je les aurai en 2 semaines? Je ne sais pas. C'est à vous de me dire, parce que moi, ça fait 2 semaines que j'ai commencé FIFA, donc je ne sais pas trop. Et pareil, du coup, pour ça là. Pour ça là, ça va être la même chose, les gars. En gros, pour ça là, tout simplement, du coup, j'ai acheté Mbappé. Mais pour ça là, ça va être pareil. Il passe, je crois, à 93, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc oui, je l'ai acheté, les gars. Je les ai pas packés, les deux. Donc pareil, tu vois, je mets ça là ici et ça sera pareil, ça sera 6000. Bon, par contre là, je suis à 1600. Donc dites-moi si c'est grave ou pas, les gars, d'être à 1600 ou si je pourrais. Du coup, les gars, on va faire ça. Du coup, je vais juste faire ce petit défi. Normalement, je gagne des jetons. J'en gagne 25, c'est parfait. Comme ça, on va ouvrir notre petit truc. Je vais faire aussi un petit match, les gars. J'ai envie de faire un petit match. Ok. Là, je suis deck parce que là-bas, j'avais fait une vidéo, j'ai ouvert un pack icône. Ah, d'ailleurs, faut que je vous montre. Oula. D'habitude je manque jamais, les gars, je précise. D'habitude ça rentre direct, les gars. Je sais pas qui a raté ça, si vous l'avez vu, les gars, mais c'est une dinguerie, hein. Ok, bon, juste je voulais en faire un, je les ferai tout à l'heure de toute façon, ça. Et je vais ouvrir, du coup j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'attaquant parce que j'ai ça là à faire. Et défenseur, donc on va faire défenseur, j'y crois à rien. Franchement c'est impossible d'avoir du lourd là-dedans. Par contre je vais faire les parades après. Les parades, les gars, c'est plus facile d'avoir un truc. Ouais, non, j'ai eu 60 points attaquants, c'est pour ça qu'il faut faire ça. Parce qu'avoir les trucs attaquants te permet de trucs. Et c'est quand que ça sort les paliers ultimes? Le truc ultime, là. Parce que moi, par exemple, j'ai Mbappé. Je sais que je vais mettre Mbappé ici. Oh! C'est bon, les gars? Contient un joueur maître Totti ultime. Ouais, c'est ça. En gros, je mets Mbappé et je mets des trucs ultimes. C'est disponible? Parce que là-bas, c'était bloqué ici. Attends. C'était bloqué, je crois. Hop! Expire dans 19 jours, déblocage dans 5 jours. Ah, déblocage dans 5 jours. En fait, il faut échanger un titulaire Tochi et plus de 150 points. Ah, plus de 150 points ultimes. Les gars, combien de points ultimes environ? J'ai 170. Je pense que pour Mbappé, ça va être beaucoup. Mais vu que c'est le numéro 1, enfin, tu sais, c'est le premier, on va dire, Tochi, je pense que ça sera peut-être 150 au final, non? Et j'ai même Marquinhos aussi, pourquoi pas améliorer. Et les paliers, fais voir, c'est quand qu'on débloque les trucs de droite aussi? Ici, là. Ouais, ça sera, je pense, pareil, dans 5 jours, à mon avis. Ok, du coup, je vous ai montré ça. Je vais aussi faire les carnaballons. Pourquoi? Bah, pour avoir, justement, ces joueurs-là. Il y a quand même Dybala que j'aimerais bien avoir. Et aussi, est-ce que ça sera possible, en free-to-play, les gars, d'avoir Pogba? Ou c'est pas possible, en free-to-play, les gars, d'avoir Pogba? C'est juste pour savoir, parce que je serais curieux. Mais j'aurai bientôt Fatshi, les gars. Et ça, c'est cool. Il manque 1000 points. Et je peux avoir Fatshi, et Fatshi, comme ça, je le mettrai à gauche, à la place de Grealish. Je pense que Grealish, je vais le vendre, même s'il ne se vend pas très cher. Ou alors Grealish, remplaçant de prestige, hein. Moi, c'est vrai, je joue pas avec de remplaçants, les gars. J'ai jamais de remplaçants, je joue jamais avec ça. Du coup, je sais pas. Ah, ça, les gars, je gère trop mal. Je sais pas si je suis le seul. En fait, je sais pas trop comment le jouer, ça. Normalement, c'est bon. Là, normalement, c'est nickel. Quoi? J'ai l'impression que j'étais dessus. Celui-là, il me rend fou, c'est le pire défi, je trouve ça. Là, normalement, c'est bon. Ah, voilà, c'était bon. C'est le pire défi, je trouve, parce que il faut vraiment suivre le truc jusqu'au truc avec le doigt. Et ça, j'aime pas. Moi, j'aime bien tirer comme ça. Tu vois. Et par contre, je kiffe les coups francs. Sur le jeu, les coups francs, c'est incroyable, les gars. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous êtes niveau combien? Quel est votre objectif sur le jeu? Moi, mon objectif, c'est d'être numéro 1 mondial, je vous l'ai dit. Clairement, les gars, c'est vraiment mon objectif numéro 1. J'aime tellement ce jeu, franchement. Hein. Je vous dis, c'est un jeu de fou.
C'est un jeu de malade. Là, c'est vrai que ceux qui connaissent pas le jeu, vous me dites, les gestes techniques, c'est pas incroyable. Ouais, mais je fais ça pour avoir des cadeaux, tu vois. Et ça, c'est important. Après, moi, ce que je kiffe, c'est les matchs en ligne. Hein. Bah, dites-moi si vous êtes chaud, vu que souvent, je reste 5 heures dans mon lit en train de geeker, parce que je surkiffe, j'arrive même pas à dormir. Est-ce que vous êtes chaud? Que genre, par exemple, je sais pas, moi, un matin, je live pendant 5 heures. Et pendant 5 heures, les gars, je fais tout ce qu'il y a à faire pour essayer d'être top... premier mondial. Je sais que ça va être dur, mais au moins top 100, top 200. Je me dis, je suis passé de 1 million à 8 000. C'est que vraiment, j'ai un bon niveau, je pense. De toute façon, après, je vais faire un match. Après, là, je joue contre des bons joueurs. Tout à l'heure, j'ai gagné. Dans la vidéo que j'ai fait cet après-midi qui a pas marché. En plus, je veux montrer l'icône que j'ai packé, les gars. J'ai packé l'icône, ça va. Mais par rapport à ce que j'ai mis, je suis un peu deg. Mais sinon, ça va. Ok. Oula, ça fait faire barre. Pas rentrante, je crois pas. Hein. Si, rentrante, nickel. Premier coup. Magnifique. C'est vrai que des fois, j'ai du mal à jauger le tir. Là, j'ai gagné des cartes à ballon et on fait le dernier. Comme ça, derrière, on peut ouvrir deux packs. Et peut-être que j'aurai peut-être le défi aussi pour Ansu Fati, non ? Je sais plus combien j'avais de trucs. Ok, là, cette fois-ci, mec, ne manque pas. Hein. Bon, là, j'ai un peu abusé de tirer de là, par contre. Des fois, il marche pas l'analogue. Des fois, ça me fait des trucs chelous. Ok, Graylish très fort. Petite question, pourquoi des fois, ça met Graylish tout le temps ? Genre, ça met le plus Graylish. Et souvent, non, attaque vs attaque, ça me le met à droite. Ok, du coup, là, je récupère ça. Ah, j'ai 15 sur 20. J'ai 15 sur 20. Oh ! Cloeil verte, les gars. Je récupère Cloeil verte, c'est nickel, ça. Cloeil verte, je voulais l'avoir. 12 millions de crédits. Je pense pas qu'il partira à 12 millions. Hein. J'y crois moyen. Hein. Je t'aime bien, Cloeil verte, mais j'y crois moyen. Je crois pas qu'il part à 15 millions. Alors, est-ce que... Il me faut 1000, j'ai 255. Non, je peux pas, mais... Putain, à chaque fois, ça quitte tout d'un coup. Mais là, je vais débloquer le x425, ok. Le x425, et là, j'ai 250. 250, c'est où que tu... Donc là, j'avais récupéré les 600. Est-ce qu'on peut récupérer encore 600? Non, mais moi, je veux Pogba. Mais est-ce que Pogba est free-to-play ou pas, les gars? Parce que Pogba, je le veux. Vraiment, je le veux trop. J'avoue, faire un petit milieu, là, Pogba... Après, il y a le kiff et la compète. C'est ça aussi le truc qu'il faut se dire. C'est quand tu vois les cartes qu'ils ont, les mecs en ligne, là, ils ont vraiment des grosses, grosses cartes. Donc, du coup, je sais pas trop. Que 50 000 crédits, c'est pas ouf. S'il te plaît, Dybala, mais j'y crois moyen. J'y crois moyen. Hier, j'ai eu une anime hier. Ouais, non. Par contre, ça, c'est bien. Ça, les gars, c'est bien. Parce que pour ceux qui connaissent pas le jeu, je vais vous montrer. En fait, donc tu vas dans Prime Technique. Et là, par exemple, oh, encore un contrôle du ballon, je peux l'améliorer. Ça, c'est bien. Par exemple, pivot, Mbappé, je peux l'améliorer. Niveau supérieur, 50 000 crédits, oui. Du coup, il prend un gène en plus. Là, je vais refaire pareil. Ok. Là, je vais refaire pareil. Ok. Bon, là, j'ai plus de crédits, les gars. C'est la hesse un peu. J'avoue, en fait, j'ai fait le pack icône. Et du coup, le pack icône, le joueur que j'ai eu, c'est... C'est, les gars, c'est Raoul. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. 1 500 000. Je suis deg parce que... Bah les gars, j'ai quand même mis 5 millions, je pensais que... En plus, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, t'es forcément remboursé, c'est trop bien et tout. » Bah, rembourser mon cul, ouais. Je suis pas du tout remboursé, mon frérot. Ok, j'ai les quêtes à récupérer. Attends, je voulais vous parler des trucs aussi. Il y a la ligue. Il y a la ligue, les gars. J'ai envie de faire la ligue, mais je ne connais pas grand-chose. Je vais regarder. Attends, en plus, tout à l'heure, ça fait une petite présentation et tout. Je suis un peu deg. Alors, on peut postuler, ok. Je peux postuler ou créer ma ligue. Et comment ça se passe? Là, on voit, j'imagine, les meilleures ligues. Général, moyen, 99. Ah, voir, fais voir. Et là, tu vois les gens. Donc, lui, il a 679 fans. Ah, ça, ils sont bien classés, eux, quand même. Hein. Moi, je suis un peu dans ce délire-là. Plus 600, 500, 600, 700. Hein. C'est dans ce délire-là, plutôt. Ok. Et c'est géré par Steph. Créer une ligue, juste comme ça, par curiosité. En créant votre propre ligue, vous pouvez regrouper... avec d'autres utilisateurs et gagner des récompenses. Oh, de superbes récompenses. Les gars, pouvez-vous me dire les récompenses qu'on peut avoir? Oh, ça coûte 5000 crédits pour le créer. Je suis mort, mais il faut même payer ça. Ok, donc t'as le logo, le nom de la ligue, la description. Les fans requis, le requis, ça c'est cool. Le niveau requis, pardon. Pourquoi requis, je dis? Requis, ok, et notes requises. Ok. Je pense, les gars, franchement, il faudra 99. Je vous dis la vérité, je veux vraiment des bons joueurs. Moi, les gars, je suis là pour la compète. Je ne rigole pas. Si je me lance dans cette aventure, c'est vraiment pour compétition, tu vois. Et puis, faire kiffer en même temps en vidéo et tout, ça peut être vraiment cool. Là, les gars, je vais vous montrer un petit face-à-face. Ah ouais, je suis 608. Hein. Là, les gars, je vous le dis, je peux perdre. Franchement, là, je suis sur un bon ratio là en ce moment.
Mais je peux perdre parce que, bah, voilà, c'est, je joue contre des bons joueurs. En plus, là, c'est en vidéo. Tout à l'heure, j'ai gagné mes matchs, mais je me dis, peut-être que bah, ça va pas forcément le faire, tu vois, on verra. Du coup, les gars, je lance un match. Mon premier match dur FIFA mobile. Enfin, bon, pas mon premier match, mais avec vous, les gars. Bon, j'en ai lancé tout à l'heure, je les ai gagnés. Ok, 91 en attaque, milieu 89, 93 de défense. J'ai une meilleure équipe, mais l'équipe ne veut rien dire. C'est ça aussi qui est important. C'est un mec du 06, Dany 06. Est-ce que c'est un Français? Je ne sais pas. Je me dis 06, les gars, mais ça veut rien dire. Ça veut clairement rien dire. Ok, mon équipe, elle est magnifique. Bon, Pedri fait un peu tâche. J'avoue, les gars, Pedri, peut-être l'améliorer. Je ne sais pas trop. Et lui, il a une équipe pas fou. Comme j'ai dit, les gars, l'équipe veut rien dire. Hein. Le mec, il a Lewandowski. Les centre-têtes, c'est cheaté, les gars. Et le mec est quand même classé dans le top 8000. Donc, du coup, je me dis. Enfin, il est 8000, 9000, 10000, quoi, tu vois. Genre, c'est un bon joueur. C'est un mec qui a séché quand même le jeu. Donc, c'est un jeu, les gars, faut beaucoup se concentrer. Bon, là, je suis pas chaud. Hein. Je vous dis, les gars. On va essayer. Déjà, je vois qu'il temporise énormément. Il fait beaucoup de gauche-droite. Et ça, c'est très cheat de faire des gauche-droite. Surtout si un mec presse beaucoup. Moi, ça va, je presse pas énormément. À part quand je suis à côté du mec. Ça veut dire qu'il y en a, il presse vraiment tout le temps. Alors lui, il est très bon au pressing là. Ce qu'il vient de faire, là, c'est beau. Ok. On va faire la passe au gardien. On va la lever. Oh putain, je lui rends, les gars. C'est pas bon signe, ça. On panique un peu, les gars. On panique beaucoup, les gars. Ce n'est pas bien. Le mec, il a l'air pas mauvais en plus. Allez, là. Faut que je sois chaud, les gars. Comme dans mon lit. C'est vrai que j'ai l'habitude de jouer dans mon lit. J'ai pas l'habitude de jouer assis aussi. Hein. Ça joue, les gars. Hein. Premier match comme ça, là. Oh, la faire en profondeur. Non ! Oh, la chatte. Oh, j'avais la chatte, par contre. Tu sais qu'à la base, j'ai fait une passe en profondeur, j'ai tiré. Parce que des fois, je me trompe avec mes touches. Je sais pas si je suis le seul, les gars. Donc là, on le presse. Ouh, c'était bien joué le pressing. Je pense pas qu'il est corner. Hein. Je pense qu'il. Ouais, c'est moi qui la touche, qui la sort. Ça, c'est bien aussi de presser quand ils sont en défense. Bien joué, ça petit. Non, il n'y a pas faute, les gars. Il n'y a pas du tout faute, mais pas du tout. Bien joué, ça. Lewandowski, prends-le, Lewandowski. Oh, ça, c'est bien, ça. Oh, ça, c'est bien, ça. Monte. Non. Comment tu manques ça? Monte. D'ailleurs, dites-moi, les gars, si vous aimeriez bien que je fasse, par exemple, des matinées vraiment full match et tout. Ça peut être vraiment cool. Bien joué, ça. Il a mis le petit pied. On va faire la passe derrière. On prend notre temps. Très important. C'est vrai que sur FIFA Mobile, les gens, ils ont tendance à jouer vite. Oh. Très bien défendu de sa part. Je pensais pas qu'il avait une ligne de défenseur derrière. Oh, on va lui mettre, on va lui mettre, on va lui mettre, on va lui mettre. On va la centrer. Oh ! Yeah, Mbappé ! Premier but ! 1-0, Mbappé. Tac ! Yes ! Mbappé, trop fort, les gars, Mbappé. Ah, les gars, je suis accro au jeu. La tête d'homme, les gars, c'est une dinguerie, ce jeu. Pas mauvais, l'adversaire, hein. A passer, les gars, sa défense. Et franchement, je vous jure, hein, quand j'étais niveau 1 million, enfin niveau, quand j'étais top 1 million, au début, je me suis dit, ouais, le jeu, il est. Tu vois, c'est pas tactique, tu vois, ça prend pas son temps. Genre, les mecs sont nuls, tu vois. Et au final, me dites pas que j'ai mis un but à la 45e, les gars, s'il vous plaît. Au final, tu comprends que c'est un jeu vraiment très tactique. Et ça, tu le comprends après, par la suite. Après, il y a toujours des comptes favorables, des trucs comme ça. Mais ça, ça change pas d'un jeu vidéo. Oh, c'est bien, l'autre, il couvrait, là. Le centre. Non, j'ai fait en l'air. Ah, mais je mets vers le bas, je suis con. C'est vers le haut. j'ai pas centré du match, du coup, j'étais un peu perdu, j'avoue. Ok. C'est vrai que j'avais fait vers le bas. Du coup, ça faisait des passes normales. Ok, on presse, on presse, on presse. Il faut pas le laisser centrer. C'est tellement cheat, les centres. Zanetti trop fort par contre. Hein. Wouah, trop fort. Ah, les gars, coup franc, c'est pas bon signe. Vraiment, c'est pas bon signe. Sortir le mur. Ouf, heureusement, il ne sait pas aller tirer. J'ai cru, parce que des fois, il y a beaucoup de buts comme ça en mode. Par contre, les gars, est-ce que vous jouez avec des joueurs que vous faites rentrer en match? Moi, je vous avoue, les gars. Oh, il est en pressing de fou là. Il est en pressing de malade, le mec. Oh, yes.
Yes. Salah. Salah. Et en plus, je t'ai pas amélioré, mec. Je t'ai pas amélioré, mais je suis très déçu de ce joueur. Moi, personnellement, je préférais Mané Régulard. Mané Régulard, les gars, je l'avais, il était trop fort. Mais là, Salah, ce qu'il vient de faire, la petite roulette, qui servait pas à grand-chose, mais j'ai l'impression que des fois, ça fait un petit boost. Du coup, c'est très sympa. Je suis en train de regarder la cam en face, et j'avoue, j'ai tellement l'habitude de regarder la cam de face. Vraiment, ah là 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 là, je kiffe ce jeu, je suis amoureux, les gars. Quel jeu de fou, les frérots, en même temps. Il est pas mauvais, l'adversaire. Quand tu vois qu'il a fait ça, là, pour essayer de éliminer mon joueur, faut rester quand même focus. Bien joué. Le joueur devant, Skriniar, trop fort. Vraiment pressé, Skriniar, qu'il évolue, les gars, dans ma team. On va prendre notre temps, parce que là, on est avec Petit. Ok, on n'a pas eu le petit contre. On va essayer de presser. J'ai essayé de presser à deux, les gars. Ok. De toute façon, là, c'est la 86e. Les matchs, ils durent pas longtemps. Ça, c'est cool. Ok. Nickel. Ça, c'est beau. On va la faire direct. Oh, j'ai fait sans contrôle pourtant. Direct. Tu l'as vu là-bas? Non, elle était pas pour lui. Oh, on tire direct, ça. Ça, c'est but, ça. Ça, là, 3-0. Yeah. Ça, ça, là, tu me régales, là, ça, là. Ça, ça, là, de base, je suis pas fan. Tu sais qu'à la base, je l'avais mis à... Oh, il arrache quitte, les gars. Il arrache quitte. Je suis trop fort, les gars. Il arrache quitte. Je suis un monstre, les gars, en même temps. Ça se comprend. Mais frérot, pourquoi tu rage quitte, mec? Pourquoi tu rage quitte, mon frérot? Faut pas rage quitter. Du coup, il a rage quitte. Hein. Mais tu sais qu'une fois, j'ai perdu un match. Le mec, il avait rage quitté. Il y avait 0-0. Je le dominais de fou. Et j'ai perdu le match 2-0. Parce qu'en fait, quand un mec rage quitte, ça quitte pas le match. En fait, c'est le bot qui joue à sa place. Et le mec, il était trop fort. Il était très très fort, le gars. Vraiment. Genre, c'était un truc de fou. Et là, on va voir du coup combien de points il perd, combien de points on gagne. Et ça, c'est vraiment cool. Et c'est ça qui te fait augmenter dans le classement et qui te fait devenir le meilleur. Et moi, je vous ai dit mon objectif. Donc là, tu vois, la précision de passe, tout ça. Tu peux re-regarder tes buts. Par exemple, le but de... Ah, tu peux enregistrer aussi? Trop bien. Là, tu peux regarder tes buts avec une caméra différente. Vraiment cool. Vraiment très très cool. Oh, les gars, je découvre, je ne savais pas. Oh, stylé. Comment on quitte? Je pense qu'il faut attendre, les gars. Mais stylé, ça. Vraiment stylé. Ok, tu peux l'ajouter en ami. C'est vraiment cool. Vraiment, GG. J'ai une invitation de la Ligue française. Je fais que de recevoir des invitations pour rejoindre des ligues, les gars. Donc là, j'ai gagné les crédits Pastar. C'est ce que vous gagnez, du coup, pour le truc. Ok. Et multi-attaque, bah, multi-attaque, c'est cheaté, hein. Moi, je kiffe. J'ai envie de faire un petit match multi-attaque, tiens. Mais multi-attaque, là, je joue contre des grosses teams. Ses occasions et mes occasions. Voilà, tu vois, j'ai du orange. Du coup, lui, il aura beaucoup d'occasions, contrairement à moi. Beaucoup de meilleurs. Parce que moi, j'ai occasion de base. J'en ai beaucoup. Lui, il en a zéro. Et en fait, occasion de base, c'est les occasions où tu pars de loin. Et c'est... Tu vois, bah, tu pars de là, en fait. Tu vois, alors que lui, c'est fou, il est devant mes cages, là. Et c'est ça le problème. Alors que le face-à-face, tu peux jouer contre n'importe quel team. T'es meilleur, tout simplement. Et c'est ça le problème du face-à-face. Ça, c'est dommage. Mais il est trop bien, le face-à-face. Mais je trouve qu'il manque trop les occasions, des fois. Là, par exemple, tu vois, à tout moment... Tu vois, pourquoi ça, là, il est à droite? Il est à gauche. Alors, vraiment, il est à droite. Enfin, bref. Ok, coup franc. Normalement, ça rentre. Quoi? J'ai pas de chance, les gars. Ok. Là, tu vois, par exemple, c'est la galère ici. Tu vois, c'est ça qui est relou. Vas-y, on tire, ça rentre. Ok, 2-2. J'y crois moyen. Parce que lui, il a vraiment des meilleures occasions que moi. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, mais il a dû avoir la même chose. Et lui, il en aura plus des... Voilà, ça, tu vois, c'est une occasion superbe. Tu l'as fait direct. Oh là 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 là. Et ouais, il va me gagner, le mec, c'est sûr. Mais c'était juste pour vous montrer, les gars. Non. En même temps, là, je suis en train de sécher le face-à-face. Du coup, il faut que je prenne l'habitude du attaque vs attaque. Ok, tu tires direct. Ce qui manque, mes joueurs. Je peux essayer de l'enlever aussi, Grealish. Par Pedri, les gars. Je pense que Pedri va être vraiment meilleur. Vraiment, vraiment meilleur. Tu la centres. Nickel, ça, c'est but. Ouais, Pedri, les gars, vraiment meilleur. Hein. C'est sûr, les gars. Hop, j'aime bien aussi faire ça sur les coups francs. La faire descendre. Un peu comme là, tu vois. Oh, il y a moyen, les gars. Non, tu peux pas le mettre là. Bien joué, Mbappé. Oh, ballon perdu. Oh, les gars. On va la lever en l'air. Non, c'est quoi ce truc? En plus, il a encore perdu le ballon. Non. Les gars, j'aurais pu remonter. Non, ça aurait pas été bon. Tain. Mais tu vois, le mec avait des meilleures occasions que moi. Du coup, c'est pour ça que je dis, c'est dommage.
C'est dommage ce mode de jeu que multi-attaque, c'est pas tout le monde pareil au même niveau. Du coup, c'est plus facile avec le face-à-face d'être dans le top. Parce que là, il y a combien de personnes dans le top dans le top champion. En gros, il y a combien de champions là? Oh, il y en a pas beaucoup des champions. Il y en a que 34. En fait, c'est quoi pour être champion, les gars? C'est, il faut 1 million. Il faut 1 million, j'imagine. En fait, tu fais 1 million, après tu stops. Hein. Et après, je crois que si tu... En gros, dès que c'est la fin de saison, bah tu repères deux trucs, non? C'est pas un truc comme ça, c'est pas comme sur FIFA 22, comme le DLR de division, je crois. Hein. Et comment ça se fait que des fois, il y a des gens, attaque vs attaque, ils ont des meilleures occasions que toi? Par exemple, lui, c'était sûr qu'il me gagnait parce qu'il avait des meilleures occasions, c'était plus facile. Moi, quand j'étais sur le côté avec Petit, frérot, on va faire un truc avec Petit. C'est ça aussi le désavantage de Petit, hein, clairement. Du coup, ok. Donc là, je vais récupérer mes quêtes, les gars. Hop. Ok. Et aussi, vous me conseillez de faire quoi avec 1000 trucs, là? Je sais pas quoi faire exactement. Donc, si vous pouvez me conseiller quoi faire. Et aussi, pour ceux qui connaissent pas trop bien le jeu, je vous conseille de faire les trucs quotidiens. Et surtout, le mode défi. J'imagine que là, ils ont mis le truc défenseur. Ah non, ils ont mis milieu. Là, ils ont mis milieu. En fait, les gars, vous avez un jour, et vous pouvez avoir 500 points. 500 jetons. C'est important, les gars. Moi, toujours, je fais les 500. C'est très très bien, vraiment, champion. Genre, je vous conseille vraiment de les faire, au moins d'atteindre les quarts de finale, ce qui te fait avoir des jetons pour avoir les joueurs comme Kanté. Moi, mon objectif, c'est d'avoir Kanté aussi. Là, en gros, en milieu de terrain, les gars. En milieu de terrain, en gros, je vais avoir Kanté, Petit et Mount. Mais, du coup, je vais vendre Pedri. Et par la suite, je vais enlever Grealish. Je vais le vendre pour Fati. Je pense qu'il va être meilleur, Fati. Et ma défense, bah, Skriniar, l'améliorer, avoir la version 93, Salah, avoir la version 93, mais j'aimerais savoir si c'est possible. Davis aussi, pourquoi pas le changer par la suite. En plus, il y aura sûrement bientôt le nouveau pass, donc du coup, on va voir comment ça va donner. Dites-moi en commentaire, vous avez combien de notes? Dis-moi si ça vous intéresse, un road to 1000, un road to 5000, après un road to 3000, après un road to 1000, un road to 500, un road to légende, pourquoi pas. Moi, c'est un truc que je kifferais, pourquoi? Parce que tout simplement, ben, c'est un jeu que je kiffe et que je vous ai dit, hein, moi je suis dans mon lit, je dois faire. J'ai même pas besoin de faire de match, mais en fait je vais pour m'endormir, mais je fais que de penser à FIFA mobile, du coup je me réveille, je joue. Je me rendors, je me réveille. Enfin, je me réveille même pas en fait, je dors pas en fait. J'essaie de m'endormir et je rejoue. Après, tu vois, c'est ça mon quotidien, les gars, je surkiffe. D'ailleurs, j'ai téléchargé plein de jeux, donc cette chaîne, c'est une chaîne de. Comment dire? C'est une chaîne de tout et de rien, en fait. Ça veut dire qu'il y aura du FIFA mobile, du Clash Royale. Du coup, dites-moi un peu ce que vous voulez comme jeu, les gars. Je serais curieux. Là, par exemple, vous voyez, j'ai téléchargé le jeu de... Je sais pas, j'ai téléchargé Mario Kart, je sais même pas pourquoi. Mais j'ai téléchargé le jeu de Rocket League, Bounty, avec One Piece, les gars. Dokkan Battle, j'ai téléchargé pas mal de jeux. DB Legends, on m'a conseillé ça. Clash of Clans, Clash Royale. Clash of Clans, ça peut être cool aussi. Bref, voilà, dites-moi ce que vous voulez. Mais en tout cas, FIFA, moi, je surkiffe. Si vous avez des petites idées de jeux comme ça, ça peut être cool. Ou comme ça, bah, je peux en faire aussi, ça peut être sympa. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas le like. N'oubliez pas l'abonnement et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et voilà, c'était la chaîne R2S 2.0. Demain, sur la chaîne principale R2S, il y aura la vidéo Pov vs Rich à midi et un live demain, 18h15, sur la chaîne principale R2S, sur du FIFA 22, comme d'habitude. Là, c'est vraiment la chaîne secondaire. Bref, à plus tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner. À plus, les gars.